Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh oui Seigneur. C'est ce Dieu Alléluia. Qui vit pour l'éternité. Amen. Comme nous l'avons chanté. Alléluia. Pour la durée des temps. Alléluia. Car tu n'as ni commencement ni fin. Tu l'as jamais Alléluia. Eu Seigneur. Et si tu t'incarnais un jour Seigneur, tu n'as pas voulu le faire pour arrêter ton éternité, pour changer de nom. Quand tu t'es appelé toujours « Je suis » après ta résurrection. C'était simplement, Seigneur, faire une pause dans ta gloire pour nous installer, Seigneur, dans ce si précieux salut. Par la grâce, tu nous as fait de nous communiquer ton Esprit Saint. C'est pour cela, Seigneur, nous t'élevons. Nous le proclamons et vraiment nous confessons que ta sainteté, Seigneur, convient vraiment à ta maison. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Car les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Mais un jour Seigneur, les cieux et la terre disparaîtront. Mais toi tu resteras le même. Tu vas les rouler comme un vieux vêtement Seigneur. Ils disparaîtront. Tu vas décréer un jour la création que tu as créée Seigneur. Nul ne peut faire cette chose sinon toi. Tu retourneras la création, Seigneur, les cieux et la terre, dans le néant, Seigneur, car tu vas refaire les choses nouvelles, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, Seigneur. Mais la parole nous dit que toi, tu demeureras le même, car tu n'as pas changé et tu ne changeras jamais. C'est par rapport à ce grand nom précieux, nous sommes là, Seigneur. C'est par rapport à la célébration de ton Esprit Saint, nous sommes là. Car c'est lui-même en nous, au milieu de nous, parmi nous, qui opérera tout en toi, Seigneur. C'est pour cela que je t'élève, Père, et je te glorifie pour ta présence dans ce lieu, dans ma vie, et pour ton onction, Seigneur, qui m'assiste chaque instant dans ma vie. Merci, Seigneur, que cette onction ce matin encore repose sur moi, afin, Seigneur, de faire resplendir, Seigneur, la réalité de la plénitude que tu veux que nous goûtions. Nous nous immergeons chaque jour par cette source que tu as mis en nous, par l'Esprit de Dieu. Seigneur, je te demande grâce, Seigneur, pour chacun de nous, que nous comprenions et réalisons pleinement cette réalité. Qui est notre partage, Seigneur, chacun de nous, sans exception. Merci, mon Dieu. Je lis, Seigneur, tout pouvoir du diable contre cette œuvre ce matin. Et je chasse tout démon au nom de Jésus de Nazareth. Je chasse tout esprit de sommeil et de distraction dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, ouvre les cœurs et dispose les pensées, les cœurs. Nous te bénissons et te levons, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Je vous bénis. Je bénis ceux et celles qui nous visitent également ce matin. Sois la bienvenue parmi nous, notre sœur Hollande. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, c'est un fait. Mais nous devons savoir l'objectif de cette personne en nous. L'année dernière, à cette même date, le jour de la Pentecôte, j'avais emmené une prédication qui s'appelait « Qui est le Saint-Esprit de Dieu ?» Donc, nous avons vu à travers la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu est une personne divine et qu'il est Dieu. Contrairement à ce que des sectes pensent et décrivent. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la plénitude de cette personne divine. Alléluia.
dont nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 18. La parole de Dieu nous dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Vous savez, nous allons comprendre pourquoi l'apôtre Paul a pris cette analogie de l'ivresse du vin à l'ivresse du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque quelqu'un n'est pas maître de ses capacités, de ses émotions, ses sentiments, de force de caractère, qui lui manque force de caractère, tout ce qu'on pouvait dire. Parfois, pour pouvoir se présenter à une réalité, devant une réalité, peut-être pour vaincre la timidité, pour vaincre les faiblesses des fautes qu'il commettra à travers un discours ou quoi que ce soit, il s'adonne au vin, à l'alcool, ce qu'on appelle l'ivresse, le cassoulet. Parce que vous savez, à un moment donné, l'alcool se mélange avec notre sang et il passe dans notre cerveau. Et en quelque sorte, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous opérons à ce moment ne vient pas totalement de nous-mêmes, sinon du tout. Alléluia. Donc c'est en quelque sorte un peu ce qui se donne à l'alcool, c'est pour se surpasser. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur ne veut pas qu'un enfant du Seigneur s'adonne à l'alcool. C'est de l'ivresse. Et je le précise, ce matin, je ne vais pas parler d'alcool. Alléluia. Mais je le précise. Quelqu'un qui boit un verre de vin à chaque repas est un alcoolique potentiel. Si vous ne le savez pas. Quelqu'un, il y a des chrétiens, je sais, chaque fois qu'ils ont mangé, ils ont boire un vin, à part l'eau, hein, un peu de vin. Si un chrétien boit un verre de vin chaque repas, par jour, il est un alcoolique potentiellement devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, je le souligne. Alléluia. Et regardez l'avertissement de l'apôtre Paul. Ne vous enivrez pas, c'est de la débauche. Alléluia. Donc nous allons parler par contre, la deuxième partie que la Bible nous dit, d'être rempli du Saint-Esprit. Amen, je retrouve. Soyez rempli au contraire de l'Esprit. Il parle à tous les chrétiens. Il ne fait pas d'exception. Donc mon frère, ma soeur, si tu as une année dans le Seigneur, j'ai 34 années, ceux qui ont 10 années, ainsi de suite, c'est un commandement pour chacun de nous. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un commandement. Ce n'est pas une option. C'est un commandement. Et nous allons leur comprendre pourquoi l'apôtre Paul met l'accent que nous devons, au contraire, être remplis du Saint-Esprit. Déjà, il faut que nous sachions, parce que je viendrai sur ces deux aspects. Alléluia. Pardonnez-moi déjà. Je pense que le message sera un petit peu plus long que d'habitude. Alléluia. Il y a deux mots que nous allons bien voir dans le grec qui est traduit par le même verbe remplir. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va mettre l'accent sur ces deux verbes, ces deux mots grecs différents, pour bien nous montrer un amalgame qui a été fait à travers ce mot plénitude dans l'Église du Seigneur.
Parce qu'on a défini la plénitude n'importe comment, à travers une autre terminologie. Amen. Donc il y a deux mots grecs et nous allons venir sur ces deux mots. Mais nous allons rester premièrement dans ce contexte, ce mot qui décrit ce contexte, le mot remplir. Dans les deux mots, il faut que vous le sachiez dans le grec qui est traduit par le même verbe remplir. Il y a le mot pimplémi qui veut dire en grec rempli. Et il y a un deuxième mot qui est pléo qui veut dire rempli également. Alléluia. Donc lorsque nous voyons à long et en large, la parole de Dieu nous parle des chrétiens d'être remplis d'esprit. Ceux qui ont été remplis, ainsi de suite, il faut que nous sachions ces deux contextes pour garder le contexte et ne pas le retirer dans son contexte pour faire un prétexte, comme beaucoup font. Alléluia. Il y a aussi l'adjectif correspondant de pléo qui est pléres, que nos versions traduisent habituellement par plein. Donc c'est la même racine. Donc, dans Éphésiens 5, le verset 18, soyez remplis, il faut que nous sachions est au présent et soyons attentifs, frères et sœurs, car c'est un enseignement, une prédication qui est importante pour nous, pour de bien comprendre ce fait. Donc, soyez remplis dans le grec est au présent à la voix passive et impératif du verbe pléro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les deux ensemble soulignent, ça veut dire le présent, la voix passive et l'impératif, les deux ensemble soulignent à la fois la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. C'est ça que ça veut dire, le présent à la voix passive et impératif. Ça veut dire, ça met en jeu deux personnes. Dieu souverainement, quand cette plénitude ne peut pas venir autrement, elle est divine. Mais ce n'est pas Dieu, dans ce contexte, comprenons bien, ce n'est pas Dieu ni le Saint-Esprit qui nous remplit. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas l'Esprit qui nous remplit. C'est nous qui devons nous remplir du Saint-Esprit qui est en nous comme la source. Donc comprenons bien ceci, c'est ça que ça veut dire. Amen. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, tu as la source, Jésus l'avait dit. Il a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus n'a pas dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, je veux lui faire boire. Non. Quand tu viens à Jésus, nous sommes venus à Jésus un jour, il a mis cette source en nous, l'Esprit de Dieu, c'est la source en moi, en toi, mon frère, ma soeur. Mais ce n'est pas l'Esprit qui va me faire boire, c'est moi qui dois me servir pour boire quand je sens que j'ai soif. Et malheureusement, beaucoup parmi nous, parfois nos vies sont un peu séchées parce que nous ne buvons pas à la source qui est en nous. Amen. Donc c'est ce matin que le Seigneur nous fasse grâce de connaître ceci, la source qui est en nous, afin de nous abreuver. Parce que Jésus a dit, elle jaillira en nous jusqu'à l'éternité. Tous nos besoins sont là, satisfaits à travers cette source qui est en nous, l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, premièrement, c'est ça que ça veut dire. La souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Amen. C'est ce que le prophète Ésaïe, notez, nous allons pas tout prendre, le chapitre 12, le verset 3. Il a dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Il parlait implicitement, le prophète Ésaïe, du Saint-Esprit qui devait venir. Il y avait beaucoup de passages qui était dans l'Ancien Testament, hein, qui parlait du Saint-Esprit, qui parlait de la nouvelle naissance. Et pourtant, Nicodème, un grand docteur de la loi, ne connaissait pas. Et il y a beaucoup de versets
qui parle de la nouvelle naissance dans l'Ancien Testament, qui parle l'eau du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. Et pourtant, il y avait un homme qui lisait les Saintes Écritures de l'Ancien Testament tous les jours. Nicodème est un grand docteur de la loi et il ne savait pas ça, pourtant il lisait littéralement. Amen. Mais c'est normal parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Donc vous voyez, entre lire la parole et lire avec l'Esprit de Dieu, c'est autre chose. Et il fallait que Jésus explique Nicodème qu'est-ce qu'il voulait entendre. Et il a reproché, tu ne connais pas ces choses, docteur de la loi. Pourquoi Jésus l'a reproché? Parce que Nicodème devait savoir, il y a des textes qui parlaient de la plénitude du Saint-Esprit, de la nouvelle naissance. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais voici une réalité. Il y a beaucoup de textes dans l'Ancien Testament qui parlent de ça. Amen. Donc, de ce fait, la bonne traduction dans Éphésiens 5 et le verset 18 devrait, serait, soyez constamment en train d'être rempli. Soyez constamment en train d'être rempli. Amen. Par le jour, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Il a mis la source en nous. Et il y a une vision qui décrit ça extrêmement bien à travers la vision un jour Dieu a donnée au prophète Ézéchiel. La Bible nous dit à un moment donné, ce prophète voit un homme qui prend un cordeau afin de mesurer. Amen. Un fleuve, et il mesure, et il trouve 1000 coudées. Et dit le prophète Ézéchiel, rentre dans le fleuve. Le prophète rentre dans le fleuve, et l'eau du fleuve arrive à ses chevilles. Amen. Donc Dieu nous montre que le prophète Ézéchiel, nous sommes dans la sauce, mais Dieu ne veut pas que la mesure... Parce qu'il nous a donné l'Esprit sans mesure. Hein? Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure, la Bible dit. Mais c'est nous à nous mesurer à la mesure que nous voulons. Donc le Seigneur nous montre qu'il ne veut pas que nous mesurons 1000 coudées seulement. Parce que 1000 coudées, par la plénitude de l'Esprit qui m'habite, me donne uniquement les chevilles. La Bible nous dit que cet homme reprend le cordeau. Il mesure de nouveau une deuxième fois. Il retrouve encore 1000 coudées. Et il dit le prophète Ézéchiel de passer de nouveau. Et il rentre de nouveau dans ce fleuve. Et maintenant, l'eau du fleuve lui rend aux genoux. L'Esprit de Dieu ne veut pas encore. Dieu ne veut pas que nous nous arrêtons à 2000 coudées. Il veut que ça monte encore en eau. Alléluia. Donc c'est un processus de notre vie chaque jour. En venant puiser à la source de notre salut, nous sommes dans la joie, comme dit Esaïe. Donc la Bible dit que cet homme reprend encore son cordeau, il mesure une troisième fois le fleuve et il mesure encore 1000 coudées, 3000 coudées. Le prophète Ézéchiel passe de nouveau et cette fois-ci, l'eau lui donne aux reins. L'Esprit nous montre, il ne veut pas que nous arrêtions à 3000 coudées seulement, frères et sœurs. C'est un processus. Cet homme reprend le cordeau, il mesure encore. Et la Bible dit que le prophète, maintenant, ne pouvait pas contenir parce qu'il fallait vraiment nager cette fois-ci. Il n'y avait pas de fond. Et il fallait nager. Amen. Non, ce matin, le Seigneur veut nous montrer comment être rempli du Saint-Esprit. À notre nouvelle naissance, nous partons à la cheville lorsque nous sommes au lait. Mais chaque jour, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher, nous devons devenir un homme, une femme à l'état mature, à déborder. Alléluia. Et à déborder aussi, et abreuver la sécheresse qui se trouve dans la vie de ceux que nous côtoyons, ainsi de suite.
Voici pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il veut que nous soyons remplis. Remplis d'esprit. Soyez constamment en train d'être remplis. C'est ça, un processus. Il ne faut pas nous arrêter un jour. Alléluia. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsqu'ils voient des merveilles par la prière, que ce soit un chrétien ou des serviteurs, ils voient des espoirs que Dieu fait, ils se refroidissent dans la prière. Non, c'est le moment plus. Au contraire, il faut aller, il faut continuer à aller, ainsi de suite. Lorsqu'ils voient peut-être le Saint-Esprit agir avec puissance, ils arrêtent à prêcher la sainte doctrine. Et ils se détournent à travers des fables. Non, ce n'est pas le moment de dévier. C'est le moment de continuer à être rempli. Ça s'appelle la plénitude de l'esprit. Donc, et la construction grecque n'indique pas qu'il faille être rempli. Écoutez bien ce que ça veut dire. Le présent, la voix passive et l'impératif. Dans cette construction grecque, n'indique pas qu'il faille être rempli de quelque chose, mais dans ou par quelque chose. Amen. Donc là, le mot pléo ne veut pas dire que c'est le Saint-Esprit qui nous remplit, mais nous sommes remplis de quelque chose, dans quelque chose. Amen. C'est exactement ce que je viens d'écrire dans Ézéchiel. Nous sommes remplis dans quelque chose, mais pas par quelque chose. C'est ça que ça veut dire dans le mot grec que Paul a utilisé là. Amen. Donc, nous sommes dans le Saint-Esprit, c'est notre source, et nous comprenons bien la réalité du baptême dans l'Esprit Saint. Je le représente encore d'une manière imagée, métaphorique. Le baptême dans l'Esprit Saint, c'est l'acte par lequel Jésus prend notre esprit, pour bien comprendre ça. Prend notre esprit à la nouvelle naissance, je le précise entre parenthèses, qu'on parle en langue, qu'on ne parle pas en langue. Il prend notre esprit et il plonge notre esprit dans la source qui est l'Esprit de Dieu. À ce moment, il nous baptise, il nous connecte. Amen. Mais à ce moment, c'est à nous de nous remplir, parce que ce n'est pas l'Esprit qui nous remplit après, c'est nous qui nous remplissons dans la source. Jésus nous met dans la source, il nous donne tout ce qu'il faut et nous laisse gérer notre vie dans cette source et par l'intermédiaire de cette source qui est l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que tout ce que nous allons faire, entreprendre, nous l'avons déjà dans la source. Jésus a tout accompli. Il ne fait rien pour nous. Il nous aide et nous donne les directions. C'est tout. Il nous a tout donné. Nous avons tout pleinement en Christ. La Bible dit. Tout pleinement en Christ. T-O-U-T. Jésus n'a rien gardé. Il n'a pas gardé la clé de l'ingratitude en lui. Non, il nous a tout donné. Vous savez qu'est-ce que la clé de l'ingratitude? C'était un professeur chinois, il avait tout donné à son élève, un jeune. Et il était âgé. Et un jour, en exhibition devant une foule, ce jeune s'est senti enorgueilli. Il a vu beaucoup de jeunes femmes qui lui regardaient lutter avec son professeur. Alors il a essayé de se montrer qu'il est au-dessus du professeur. Donc il donnait des sauts, des clés à son professeur, ainsi de suite. L'homme était âgé. Et quelques minutes avant la fin, ce professeur l'a cloué au sol. Il se débattait. Une clé, il ne pouvait rien faire. Et il a été battu par son professeur. Et dans les coulisses, il dit à son professeur, « Mais tu m'as jamais donné cette clé. Pourquoi c'est là que tu me l'as démontré ?» Il a dit, « Non. J'ai gardé cette clé. Ça s'appelle la clé de l'ingratitude. C'est pour ça que je ne te l'ai pas montré. Parce que c'est sûr de montrer au lit où tu es bon, moi, il y a des gagnants moins devant ces jeunes filles-là. Alléluia.
Donc le Seigneur n'a pas gardé la clé de l'ingratitude. Il nous a tout donné, frères et sœurs, afin que nous ayons aucune excuse devant Dieu. Donc, ce n'est pas du fait que nous soyons remplis de quelque chose, parce que nous allons voir, contrairement au deuxième mot grec, plein permis, c'est tout à fait l'inverse. Nous sommes remplis de quelque chose. Mais là, le mot pléo, c'est l'inverse. C'est nous à nous remplir dans quelque chose, dans une source. Alléluia. C'est pour cela que je vous disais, il faut bien faire attention dans le contexte. Si c'est le mot plé, plémi ou pléo. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que c'est l'esprit qui est le milieu dans lequel ou l'agent par lequel nous sommes remplis. Mais pas lui-même qui nous remplit dans ce contexte, je le précise. Amen. Parce que si nous ne voulons pas être remplis, l'Esprit de Dieu ne va pas nous remplir. Si nous ne voulons pas, nous voyons bien l'Esprit de Dieu qui nous habite est un gentleman. Il ne fait rien en opposition à notre volonté. Amen. Pourquoi il y a des chrétiens qui sont plus mûrs, qui sont pas mûrs, qui sont plus zélés que d'autres? Pourquoi il y a des chrétiens charnels dans l'Église? Je parle en général, et des chrétiens spirituels. Ça prouve bien ça. Nous devions normalement être tous spirituels. C'est notre appel, c'est notre élection, notre vocation. Amen. Paul l'a dit. Frère dans le Seigneur, je vous rappelle prisonnier dans le Seigneur. Amen. De marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été appelée, adressée, pardon. Amen. Nous avons une vocation, c'est de marcher digne d'une manière de citoyen dans le royaume du Christ. Nous sommes appelés à ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans l'Église, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Malheureusement, ça sera toujours comme ça. Dans l'Église du Seigneur, dans le même temple, il y a des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Et ça, on va trouver ça dans toutes les églises. Le chrétien charnel, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Il a la source en lui, mais il continue à vivre par ses propres moyens avant de connaître Christ et avoir cette source en lui. Au lieu de puiser dans la source divine, cette personne continue à puiser dans la source dont elle est elle-même l'origine de cette source que la Bible appelle la chair. Les motivations, les pensants, les penchants de la chair. Tandis que le chrétien spirituel, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu aussi, mais qui vit et qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Donc ces deux tendances, on les trouvera toujours, jusqu'au retour du Christ. Amen. Donc, je le précise, c'est l'Esprit de Dieu qui est le milieu dans lequel ou l'agent par lequel nous sommes remplis, non la personne ou la chose qui nous remplit. Comprenons bien ça, ça c'est dans le contexte d'Éphésiens 5, 18. Amen. Ce n'est pas l'Esprit qui nous remplit, c'est nous qui nous remplissons, si nous voulons, dans à travers cette personne qui est l'Esprit de Dieu et qui est la source, qui est illustré comme une source. Je dis bien, l'Esprit de Dieu n'est pas une source, hein? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est une personne. À part ni en force impersonnifiée, ni en puissance, qu'on l'ose sec qu'à dit monde. Alléluia. Et yo même pas même ni l'Esprit de Dieu. C'est normal, yo qu'a dit ça. Parce que si tu n'admets pas que l'Esprit est une personne, comment l'Esprit va t'habiter? Parce que, ok, quoi, son démon. C'est normal. Si quelqu'un pense que l'Esprit de Dieu n'est pas une personne, là l'Esprit qui est habité, et qui est quoi son démon? Un point, c'est tout. Parce que si après un esprit, après un monde, parce qu'un démon, c'est un monde. C'est un monde, non, démon. Par contre, il n'y a pas quoi que démon, c'est un monde. Mais il n'y a pas quoi l'Esprit de Dieu, c'est un monde. Donc, c'est pour montrer comment le diable aveugle vraiment l'intelligence des hommes. Pour les aveugler et les tenir captifs. Alors, l'Esprit de Dieu n'est pas une force impersonnifiée et ni une puissance. Il est une personne qui est animée de toute la puissance, oui.
Amen. Donc, c'est illustré comme une source. Amen. Cette personne qui nous habite. Donc, c'est comme si nous pouvions dire, soyez remplis de tout ce que l'Esprit nous inspire, ou assurez-vous que c'est bien l'Esprit de Dieu qui est la source de ce que, qui nous remplit. Nous pouvons l'interpréter comme ça. Parce qu'il y avait des chrétiens qui s'enivraient à l'église. Et peut-être sous le penchant de l'alcool, ils se faisaient penser, on pensait peut-être qu'il était rempli du Saint-Esprit par certains comportements. Comme certains aussi pouvaient dire, le Seigneur, sous l'effet de l'alcool, dit que le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a parlé, j'ai fait ça, l'Esprit de Dieu m'a fait faire ça, non. Amen. Donc Paul expliquait, parce que l'ivresse existait à l'époque dans l'église. Il y avait des chrétiens qui venaient ivres. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 10, il y avait des chrétiens qui venaient prendre la Sainte-Seine boulée. Il y a des gars qui viennent prendre la Sainte-Seine et boulée. C'est pour cela que l'apôtre Paul était sévère. Il a dit, si vous continuez de venir communier avec le Seigneur dans un tel état, et c'est pour cela qu'il y avait des ceux qui étaient malades dans l'église. Il y avait ceux et celles qui étaient infirmes. Et il y avait même que la mort physique prématurément les a frappés. Voici trois types de jugements que Paul énumère, hein, qui ne sont pas exhaustifs. Lorsqu'on vient communier n'importe comment avec le Seigneur, et ça je ne cesse de le répéter et de vous avertir à chaque Sainte-Seine. Parce qu'il y avait, c'était habituel, des gens venaient ivres dans l'église. Amen. Donc c'est pour cela, il est dit de vous assurer bien que c'est l'Esprit qui vous remplit. C'est bien l'Esprit qui est la source du moins de ce qui vous remplit et non de l'alcool ou le vin. Amen. Donc, comme je le disais, les deux personnes sont impliquées, la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Donc cette plénitude est donc à la fois un cadeau de Dieu et conquête humaine. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 2 Pierre 1, chapitre 1, verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc c'est à nous maintenant. Dieu nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. 2 Pierre 1, 3. Donc nous devons rechercher la plénitude et nous avons aussi donc ce rôle à jouir dans son, à jouer dans son acquisition. Amen. Par exemple, Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Nous avons ce rôle à jouer dans son acquisition. Les fruits de l'esprit, ce n'est pas l'esprit qui va les développer en nous. C'est nous qui devons les développer par cette source qui nous habite. Amen. Les fruits de l'esprit. Gloire au Seigneur. C'est ça la Bible dit. Dans la prière d'Éphésiens 3, Éphésiens 3, au chapitre 3 et au verset 16, Paul dans sa prière dit, afin qu'il vous donne l'Éternel, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, mon esprit, ton esprit. Par la richesse de sa gloire, il nous donne le moyen d'être puissamment fortifié. Où? Dans l'homme intérieur, par son esprit. Ton homme intérieur, mon frère, ma soeur,
C'est ton esprit. C'est là que Dieu veut te fortifier, veut me fortifier par l'Esprit de Dieu. Afin que Christ continue à habiter nos cœurs par la foi, ayant raciné et fondé dans l'amour. Si nous pouvons, nous voulons être fondés, enracinés dans l'amour du Christ, et permet le Seigneur de continuer à habiter nos cœurs, nous devons nous laisser remplir sans cesse du Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est ça qui va développer les fruits en nous, en puisant chaque jour à la sauce chaque jour. Alléluia. Ces personnes qui venaient puiser au puits de Jacob, ils venaient chaque jour se renouveler de l'eau. Mais Jésus est une source qu'on se renouvelle tous les jours également. Alléluia. Cette source, elle est ambulante en eau. Elle se déplace avec nous à chaque seconde. Où que nous allions, la source est en nous. Alléluia. De sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude. Dans cette plénitude, mon frère, encore, est à la fois cadeau de Dieu et conquête humaine. Et c'est pour cela, comme Éphésiens, dans Éphésiens 3, 19, ces deux aspects, dans Éphésiens 5, 18, apparaissent également dans sa forme verbale, comme nous l'avons vu. La voix passive et l'impératif. La parole dit, je mettrai en moi, je mettrai en vous mon esprit. Dans Jérémie, Hébreu le dit. Donc je continue. Ce présent, soyez remplis, rend le présent passif, impératif du verbe pléo. Le commandement évoque l'idée de quelque chose qui se produit constamment. Être rempli n'est pas une possibilité pour les croyants, c'est une obligation. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas une possibilité, c'est une obligation, frères et sœurs. Dieu l'exige. Alléluia. Il nous l'exige. Car nous comprenons également, imaginez-vous quelqu'un à l'Esprit de Dieu. Depuis le jour où cette personne est sauvée, cette personne n'a fait rien pour le Seigneur. Aucune œuvre, rien du tout. Vous pensez-vous une personne sera sauvée comme ça? Non. La personne dira, mais j'ai l'Esprit de Dieu, oui. Mais ni plus ni moins. Nous devons travailler pour le Seigneur. Amen. Nous sommes un ouvrage, n'oublions pas ça. Parce qu'il a préparé de bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Si nous faisons rien, comment nous allons pratiquer les bonnes œuvres? Nous aurons la sauce, mais il n'y aura aucune bonne œuvre de pratiquer. Et lorsque le Seigneur viendra nous chercher, il nous dira, où sont les œuvres de la foi que je t'ai mis en toi? On dira, oui, mais j'ai la foi, j'ai accepté le Seigneur par la foi. Tu m'as dit que si je t'accepte par la foi, je suis sauvé et je reçois l'Esprit de Dieu. Oui, amen. Mais la foi sans les œuvres est morte. Pas les œuvres pour être sauvé, comme on nous l'enseignait au catéchisme. Ces œuvres-là ne s'offrent pas. Autre contraire, c'est un enfer qu'amène les mondes. Par ces œuvres, nous permettent de nous justifier devant Dieu, que nous sommes mounes. Nous péchons, mais nous sauvons quand même, nous faisons l'eau bonnes œuvres, nous faisons pèlerinage, nous faisons le chapelet, ainsi de suite. Non, ces œuvres-là ne sauvent pas. Les œuvres qui sauvent, ce sont les œuvres après avoir été sauvées sans les œuvres. Dieu nous demande de faire des œuvres étant sauvés pour démontrer et décrire que nous sommes sauvés. Là, c'est autre chose. Ce sont deux sortes d'œuvres différentes. Dieu ne nous donne de faire des œuvres pour être sauvés. Nul n'est justifié par les œuvres de justice qu'il aurait faites. Mais étant sauvés, nous devons faire des œuvres parce que nous sommes un ouvrage.
Nous sommes un naufrage. Alléluia. C'est comme si le Seigneur nous prend, il nous décrit le plan d'un bâtiment et nous sommes ouvriers, il nous dit de bâtir ce bâtiment. Il nous donne le matériau, tout pour cela, les instructions et il nous dit de faire. Donc si nous faisons rien, nous restons dans la désobéissance. Amen. Le Seigneur, quand il viendra, il va voir l'ouvrage et sur le plan toujours. Il n'y a rien de monté. Il n'y a rien de matériau. Il est sur le plan toujours. Donc le Seigneur ne veut pas nous retrouver comme l'ouvrage qu'il nous a donné. Comprenons bien ceci. Donc ce commandement évoque l'idée de quelque chose qui se produit constamment. Être rempli n'est pas une possibilité pour les croyants, mais une obligation. Personne ne peut vivre selon la volonté de Dieu s'il n'est pas rempli de son esprit. Alléluia. Je dis bien, le mot remplir, c'est nous hein, qui nous remplissons. Je viendrai tout à l'heure sur le deuxième aspect. Là, c'est le mot grec pléo, je vous dis bien. Amen. Donc, nous obéissons automatiquement à aucun autre, simplement parce que nous sommes incapables de faire la volonté de Dieu sans la puissance de son esprit. Parce que lorsque nous obéissons, nous puisons à cette eau de vie du salut, nous faisons la volonté de Dieu. Et en faisant la volonté de Dieu, nous manifestons la puissance de Saint-Esprit agit en notre faveur. C'est comme ça que la puissance de Dieu agit en nous. C'est en faisant la volonté de Dieu que la puissance du Saint-Esprit agit en nous. Oui, mais pas avant. La puissance du Saint-Esprit n'agira jamais en nous sans que nous faisions déjà la volonté de Dieu. La puissance est un équipement qui nous suit, qui nous accompagne. Amen. Parce que si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous allons obéir de prier pour les malades. C'est la puissance de Dieu qui va nous accompagner pour guérir le malade. Sans quoi nous aurions prié, mais si la puissance n'est pas là, ça ne sert à rien. Si nous voulons faire le bien, nous voulons crucifier la chair, la puissance du Saint-Esprit ne va pas nous précéder. C'est à la mesure que nous allons obéir à la parole qui nous dit de faire crucifier la chair et ses désirs, ses convoitises. À ce moment, en prenant une bonne disposition, la puissance du Saint-Esprit va nous accompagner pour le faire. C'est ça que ça veut dire, rempli, être rempli du Saint-Esprit de Dieu. À la mesure que nous-mêmes, nous venons à la source, nous disons, qu'est-ce que Dieu me dit? Quelle indication que la Bible me donne dans telle situation, dans telle démarche, dans qu'est-ce que je vais entreprendre? Comment je vis, je pense, ainsi de suite? Donc, nous venons puiser à cette source et l'Esprit, par sa puissance, nous donne le moyen d'y agir ou de l'accomplir. Amen. Dans l'aspect continu de la plénitude de l'Esprit, soyez constamment en train d'être rempli, comme je le souligne. Souligne l'aspect constant de tout instant de la soumission au contrôle de l'esprit. C'est ça que ça veut dire, marcher par l'esprit. Vous savez, dans le grec, le mot qui est traduit par marcher, c'est un mot militaire. C'est ce mot qu'on employait lorsqu'il y avait une armée, il y avait le chef qui était devant et il y avait les subalternes qui étaient derrière. On voyait une seule personne à travers. Et c'est ce qu'on nous faisait faire à l'armée. Pour nous aligner, par exemple, pour aller au repas, le supérieur alignait, tant il ne voyait pas une seule tête, il nous laissait au soleil. Il fallait que, lorsqu'il regarde, il y a 20 personnes, il voyait une seule tête. Tous les autres devaient s'aligner dans un rang bien précis. Eh bien, ce mot qui est traduit par le mot « marcher », par l'esprit, c'est un même mot, un mot militaire. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire nous sommes derrière l'Esprit Saint
Nous devons faire ce qu'il nous dit, comme il nous dit. Ça veut dire, si l'Esprit Saint est là, il est devant nous, c'est un mot militaire. Jésus ne doit pas nous voir à côté. Il faut que Jésus voit tête en nous, derrière tête à l'Esprit Saint. C'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas qu'il y ait de déphasage quand le Seigneur nous dit de marcher par l'Esprit. La conduite de l'Esprit à travers sa parole, nous devons avoir la même conduite. C'est ce que ça veut dire, marcher par l'Esprit. Et c'est pour cela, il y a une clé pour ne pas vivre selon la chair, le péché. La clé est très simple. Marcher par l'Esprit qui résulte, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On ne va même pas chercher comment accomplir les désirs de la chair, comment combattre, marcher par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça se fait systématiquement. C'est très simple, quelqu'un qui s'affectionne ses pensées des choses d'en haut, eh bien, il n'a pas le temps d'affectionner ses pensées, des pensées perverses. Ça se fait systématiquement. On n'a même pas à combattre les mauvaises pensées. Du seul fait qu'on s'affectionne des pensées du Saint-Esprit, on a déjà vaincu l'autre camp, l'autre partie. Donc c'est ça que ça veut dire, marcher par l'Esprit de Dieu. Donc l'aspect continu de la plénitude, je disais, soyez remplis, constamment en train d'être remplis, souligne l'aspect constant de tout instant de la soumission au contrôle de l'Esprit, dont l'aspect passif indique que ce n'est pas quelque chose que nous faisons, mais que nous permettons qu'on fasse en nous. Amen. Donc si je le permets, l'Esprit le fait en moi, il le fera. Amen. Donc c'est l'Esprit lui-même qui nous remplit, mais il ne le fait pas, il ne le fait que si nous nous soumettons nous-mêmes à lui. Alléluia. Donc, je reviens encore. Le mode maintenant impératif, quand nous avons vu, c'est un impératif, ce n'est pas une option, mais une obligation. Donc, nous devons comprendre aussi que dans le grec, le mode impératif a deux temps. Pour bien comprendre le temps aussi qui est décrit dans Éphésiens 5, 18. Il y a le temps aoriste qui commande une action faite une fois pour toutes. Amen. C'est pas le cas là. Ça veut dire si c'était le cas, le temps aoriste, ça veut dire que la demande, lorsque Dieu donne aux chrétiens, ça veut dire qu'on serait rempli le jour de notre nouvelle naissance une fois pour toutes. Amen. Donc ce n'est pas le cas. Dans ce contexte, ce n'est pas le mode aoriste. Ça veut dire, je prends un exemple, quand Jésus a dit « frappez une fois et l'on vous ouvrira ». Ça c'est un impératif aoriste. On frappe une fois, on n'a pas besoin de frapper deux fois. Une seule fois et on nous ouvre. Amen. Mais à l'impératif présent, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 7, 7, l'ordre de frapper veut dire continuer à frapper à coups répétés jusqu'à ce qu'on nous ouvre. Alléluia. Donc voici les deux modes. La oris, en venant, ce Jésus a dit, frapper, chercher, demander. On frappe une fois. Jésus n'a pas dit dans Matthieu 7, 7 de frapper une seule fois. C'est l'impératif présent. Continuez à frapper jusqu'à ce qu'on vous ouvre. C'est ça que Jésus voulait dire. Continuez à demander jusqu'à ce qu'on vous donne. Continuez à chercher jusqu'à ce que vous trouvez.
Mais ne demandez pas une fois et vous arrêtez. C'est dans ce mode l'impératif a été traduit dans le grec. Mais dans Éphésiens 5, 18, ce n'est pas la oriste, une fois. C'est l'impératif présent. Ça veut dire, vous voyez bien, l'apôtre Paul nous invite à ne pas être rempli une fois, mais tous les jours, un processus. Continuer à être rempli sans cesse du Saint-Esprit qui nous anime, dont nous baignons dans cette sauce. Donc Paul nous demande toujours de nous laisser toujours remplir, à nouveau remplir par l'Esprit de Dieu. Ne jamais considérer ce qui s'est passé hier, mais de continuer. Ne pas nous baisser les bras par rapport à ce que Dieu nous a permis de faire, d'endurer, de surpasser, de surmonter et de baisser les bras. Non, c'est un processus, frères et sœurs. Et vous savez, ce processus n'est pas si facile qu'on le pense. Parce que vous-même, vous allez le comprendre, il suffit que vous priez. Personne ne me dira le contraire. Lorsque vous commencez à prier, peut-être après une demi-heure, le corps vous dit en fatigué, arrêtez. Et il y a des pensées qui nous viennent. On ne prie pas pour nos factures, hein, mais il y a des pensées de factures qui nous viennent. Donc ça demande une discipline, la plénitude que Dieu nous demande. Amen. Pour gérer toutes ces choses dans notre vie, pour aller de l'avant et laisser l'Esprit de Dieu nous remplir incessamment dans tous les domaines, dans toutes les situations, dans nos vies. Donc l'apôtre Paul demande que les chrétiens restent toujours sans cesse remplis de nouveau par l'Esprit. Donc ce même mot, avant de passer au deuxième mot, plein pémé, ce mot pléo, qui est traduit dans Éphésiens 5, 18, je vous disais, en trois autres façons qu'on l'utilisait dans, comment dirais-je, à l'époque que Paul parlait à ses auditeurs, et qui ont une portée sur ce que Paul dit ici. Donc ce mot pléo était utilisé de trois façons différentes et à une portée de ce que Paul nous demande aussi dans cette plénitude. Premièrement, on utilisait ce mot pléo, qui veut dire c'est nous qui nous remplissons, qui puisons dans la sauce. Amen. Premièrement, on l'utilisait souvent en parlant du vent qui remplit les voiles d'un navire et les pousse vers l'avant. Amen. Donc le Seigneur nous montre que si nous voulons que l'Esprit nous pousse, nous propulse de l'avant, il faut que nous nous laissions remplir par son vent. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Les hommes ont parlé de sa part. Amen. Il faut que nous nous sentions poussés par l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous puisions dans la parole de Dieu, dans la droiture, dans la sanctification, dans l'obéissance, l'Esprit de Dieu nous propulse vers l'avant. Il nous pousse comme le vent qui pousse le voile d'un navire. C'est le même mot qui était traduit lorsqu'on parlait du vent qui poussait le voile d'un navire à l'époque. C'est le même mot pour l'employer, pléo, dans Éphésiens 5, 18. Donc l'Esprit de Dieu est là. Pour qu'il puisse nous propulser dans une action, il faut que nous puissions dans cette sauce. Sans quoi il ne pourra pas. Sans quoi notre voile sera lâché. Et à ce moment, le bateau peut aller dans n'importe quelle direction. Alléluia. Paul nous montre que, premièrement, nous ne devons pas laisser le voile de notre vie se déplier, mais toujours envahi et rempli, gonflé par le vent du Saint-Esprit,
pour toujours nous diriger et marcher par l'Esprit de Dieu, comme nous l'avons vu. Donc, être rempli, c'est être poussé vers l'avant dans notre vie chrétienne par Dieu lui-même. C'est ça, frères et sœurs, premièrement. Deuxièmement, amen. Deuxièmement, ce verbe pléo évoque également l'idée de pénétration et on utilisait en parlant du sel qui pénètre la viande pour lui donner du goût et la préserver. On utilisait ce même que Paul a utilisé pour remplir. Amen. Et la Bible nous dit, nous sommes le sel de la terre. Donc sur ce sel, nous sommes là pour pénétrer la corruption du monde, pour conserver, préserver le monde. Comment? Par l'évangile, par notre vie, par notre comportement, ainsi de suite. Ça, c'est être le sel de la terre. Et pour l'être aussi, nous devons nous laisser remplir par l'Esprit de Dieu, sans quoi nous ne pourrons jamais être le sel de la terre. Amen. Parce que si nous ne puisons pas dans la parole de Dieu, nous ne pourrons jamais apporter un bon conseil, une parole pour toucher le cœur de quelqu'un qui cherche le Seigneur. Amen. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Seigneur qui portent un mauvais témoignage et qui ne répandent pas l'odeur de la connaissance de Christ. Donc, comment pouvons-nous conserver la nation, sauver le monde? Si le monde ne voit pas un repère en nous, il faut que le monde voit un repère en nous. La Bible dit d'avoir un bon témoignage au milieu des païens. Ils reconnaissent nos œuvres. Même si nous calomnions, nous traitons de malfaiteurs. Mais ils reconnaissent nos bonnes œuvres. Au jour où le Seigneur les visitera. Mais il faut avoir un bon témoignage. Un bon témoignage du Seigneur. Les gens cherchent un repère maintenant. Hein. Vous savez maintenant des gens, il y a certaines personnes qui viennent me voir et me disent visiter plusieurs églises pour se casier. Pourquoi? C'est parce que ces gens, est-ce qu'on les donne tort aujourd'hui? Non. Parce que ces gens, pourquoi ils disent ça? Ils ont déjà eu tellement de mauvais témoignages des chrétiens qu'ils côtoient tous les jours. Alors il dit, il y aura fait plusieurs églises pour bien vrai. Mais malheureusement, je crois que dans toutes les églises, ils vont trouver toujours les mêmes témoignages. Parce que comme je le disais, ils vont toujours trouver des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Et malheureusement, le diable va toujours utiliser les chrétiens charnels pour amener du trouble dans l'église. Ce sont des saints. Et malheureusement, c'est une réalité, nous devons faire face et combattre. C'est pour ça aujourd'hui, l'église ne doit pas dormir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ne font pas leur combat spirituel. Ça veut dire, ils prient, mais ils ne font pas ce qu'on appelle leur combat spirituel. Je disais vendredi, prier, c'est parler à Dieu. Combattre, c'est parler à l'ennemi. Ça, c'est deux aspects différents, totalement différents de la prière. Prier, c'est parler à Dieu. Combattre, c'est parler à l'ennemi. Amen. Alléluia. Donc, nous devons être le sel de la terre. C'était le même mot qu'on utilisait pour préserver la viande et lui donner du goût. Il faut que le monde, nous donnons du goût au monde, à goûter le Seigneur. La Bible nous dit, si nous avons goûté que l'Éternel est bon, nous l'avons goûté, donnons ce goût aux gens qui n'ont pas encore goûté. Approchons-nous, pierre vivante. Si nous avons goûté, l'Éternel est bon. Il y a ceux qui cherchent à goûter. Pourquoi ces personnes disent qu'ils cherchent? Ils font plusieurs églises. Ils cherchent à goûter la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Non, ils cherchent à goûter la bonté de Dieu. Et c'est cette odeur que Dieu veut que nous
Dieu veut répandre par nous en tout lieu. Donc Dieu veut que son esprit pénètre tellement nos vies, la vie de ses enfants, que tout ce que nous pensons, disons ou faisons reflète sa présence divine. C'est ça que ça veut dire. Préserver. Ça veut dire comme le sel pénètre la viande. Pour préserver tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons ou tout ce que nous faisons doit être imprégné dans cette sauce. Qui prennent leur origine dans la sauce. C'est le même mot que Paul employait, pléo. Mes pensées, mes paroles, mes actions doivent être imprégnées dans ça, comme le sel qui est imprégné, qui rentre dans la viande. Dans la viande. Et on sent le goût salé. Alléluia. À travers mes paroles, tes paroles, on sent le goût salé de la conservation. Qui résulte du fruit que ma vie est immergée dans la sauce. Et je vais puiser là, ainsi de suite, pour que la coupe déborde. Vous savez, lorsqu'on prend un verre, il y a déjà un certain contenu. On vide, par exemple, de l'eau. Pour que ce qui est déjà là, puis sortir, il faut que beaucoup d'eau, il faut que l'eau soit versée jusqu'à ce qui au fond monte et sorte, jusqu'à ce qui soit remplacé totalement par l'eau. C'est ça que le Spirit veut faire en nous. En venant puiser, nous nous remplissons et toutes les œuvres de la chair s'en vont au fur et à mesure et est remplacée par l'œuvre, les fruits du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. C'est ça que l'Esprit de Dieu veut. Faire en eau. Et troisièmement, ce même verbe évoque l'idée de contrôle total. Dieu veut que l'Esprit de Dieu ait contrôle total sur nos vies. Troisième mot, aspect de ce mot pléo qui était employé. Contrôle total sur nos vies. Alléluia. Comme Paul disait, le Dieu que je sers dans mon esprit, l'abbé dit, celui qui se tourne vers le Seigneur devient avec son esprit un. Amen. Contrôle total, frères et sœurs. C'est ce même mot Jésus employait. Ça veut dire contrôle total, on l'employait. Jésus employait ce même mot dans Jean 16, verset 6, noté. Lorsqu'il disait à ses disciples, pourquoi la tristesse a rempli votre cœur? Jésus voulait les dire implicitement, pourquoi la tristesse a totalement pris contrôle des sentiments de vos cœurs? C'est le même mot que le Seigneur Jésus employait là. Donc nous voyons, la Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 1, que c'est le fait d'être rempli de l'Esprit qui a préparé Jésus à être conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Donc quand nous sommes remplis, il y a une réaction qui se fait. Il n'y a pas de réaction sans action. C'est parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit, ça l'a préparé à être conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Il conduit Jésus dans le désert. C'est l'Esprit qui a poussé Jésus, comme le vent qui pousse le voile, parce qu'il était rempli. Résultant, l'Esprit l'a poussé dans le désert à décrocher une victoire. Si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, Dieu ne va jamais nous pousser à décrocher aucune victoire. Hein? Parce que là, nous, quand il décroche cette victoire-là, peut-être, nous allons perdre.
Il faut que nous soyons préparés par l'Esprit de Dieu. Nous devons bien comprendre ça, frères et sœurs. La vie du Saint-Esprit en nous. Amen. Il y a beaucoup qui cherchent faire des espoirs pour savoir si ils sont remplis ou pas du Saint-Esprit. Vous avez vu les quatre facettes que Paul a énumérées par la suite dans Éphésiens 5, 18. Il n'y a rien qui décrive d'une manière d'un comportement extériorisé, hein, si on peut dire, un chrétien qui est rempli. Hein. Regardez la suite. Amen. Il y a beaucoup qui pensent qu'en faisant des choses, en se mettant sur une élite, qu'ils sont remplis. Non, c'est pas ça. C'est un comportement équilibré, une vie équilibrée d'un chrétien. Le contrôle de soi qui décrive déjà un enfant de Seigneur bien rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Le contrôle de soi, ça décrit que quelqu'un est vraiment rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce que Paul voulait démontrer premièrement. Être rempli de l'Esprit, c'est laisser la parole de Christ, les Écritures, nous habiter, pénétrer chaque partie de notre être. Être rempli de l'Esprit, c'est être rempli de sa parole. Et si nous sommes remplis de la parole de Dieu, frères et sœurs, elle contrôle nos pensées, nos actions, et nous sommes de plus en plus soumis au contrôle de l'Esprit. Voici le processus de cette plénitude. Voici ce processus. Être rempli du Saint-Esprit, c'est vivre en ayant conscience de la présence du Seigneur Jésus, comme si nous étions à ses côtés, et le laisser dominer sur nos vies, régner sur nos vies. Il est là pour cela. Nous l'avons accepté, Seigneur, pour cela. C'est nous remplir de la parole de Dieu au point que nos pensées, nos normes, nos œuvres, afin que ses pensées plutôt, ses normes, son œuvre et sa volonté deviennent les nôtres. Marcher par l'Esprit, c'est faire un pas à la fois avec le Saint-Esprit. C'est marcher une pensée après l'autre avec le Saint-Esprit. Une décision après l'autre avec le Saint-Esprit. Un geste après l'autre sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour cela Galates 5, 16 le dit, 17. Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car c'est retomber dans les œuvres de la chair. Et l'abbé dit, elles sont évidentes, les œuvres de la chair. Donc si nous vivons sous le contrôle du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, les œuvres de la chair sont les seules choses qui nous puissions produire par sa chair, si nous ne marchons pas sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est être totalement contrôlé et laisser le règne du Seigneur dans nos vies, être rempli du Saint-Esprit. Donc, le chrétien qui est rempli de l'Esprit, prend ça, mon frère, ma soeur, comme une bonne illustration. Le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit peut être comparé à un gant. À un gant. Amen. Quand il n'y a pas de main dans le gant ne sert à rien. Il ne peut faire aucun travail et pourtant le gant est fait pour un travail. Mais si le gant ne trouve pas une main, il ne peut faire aucun travail. Le chrétien rempli du Saint-Esprit est comparé à un gant. La main, c'est l'Esprit de Dieu. Si nous ne sommes pas dans les mains du Saint-Esprit, dans son fleuve, nous ne pourrons rien faire. Et il ne pourra rien faire non plus. Parce qu'il a besoin d'un gant
pour travailler. Le grand, c'est moi, c'est toi, mon frère, ma soeur. La main, c'est l'Esprit de Dieu. Sa sauce. Donc, quand il n'y a pas de main, au-dedans, un grand n'a aucune force et ne sert à rien. Il a été fait pourtant pour un travail. Mais il ne peut pas le faire lui-même. Donc, nous ne pourrons rien faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu dans une situation, nous ne pourrons rien faire. Il y a des situations qui se présentent dans nos vies. Nous ne savons pas quoi dire, quoi faire, quelle décision prendre. Parce que nous n'avons pas appris à connaître la volonté dans la parole de Dieu. Afin que l'Esprit nous remplisse. Et le jour venu, l'Esprit de Dieu nous rappelle ou nous conduit systématiquement à faire, à dire ou à prendre une décision. Ça se fait spontanément lorsque nous avons coutume une communion étroite avec l'Esprit de Dieu. Ça se fait systématiquement. Amen. Je ne vais jamais oublier le témoignage que j'ai déjà donné. Ça, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Parce que je parle au Saint-Esprit. Je sais que c'est une personne. Quand je travaille, je parle à lui. Je lui parle, c'est une personne. Et je ne vais jamais oublier, je vous avais dit, un jour, on m'avait appelé en astreinte pour acquitter deux défauts dans deux centrales de l'acclimatisation qui se trouvaient au lycée hôtelier. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il s'avérait que les deux groupes, les deux écrans étaient verrouillés et il fallait un code. Je ne me rappelais pas du code. Et tout ce que j'ai pu faire, aucun résultat. Je partais pour aller à Moule, au GTM, la centrale thermique du Moule. On avait un prototype pour prendre la notice. Et vous savez, lorsque je suis rentré dans la voiture, j'ai réfléchi, je vais faire près d'une heure aller-retour. Vous savez, j'ai réalisé quelque chose, que j'ai l'Esprit de Dieu qui est en moi. Il ne faut pas prendre le nom du Saint-Esprit pour faire n'importe quoi, pour dire, Saint-Esprit, fais-moi manger, ainsi de suite. Non. Ça, ce sont des choses qui sont rares que je fais. Je demande à l'Esprit. Je suis descendu. J'ai dit, Saint-Esprit, tu es en moi, tu es une personne, tu m'entends. Je peux gagner 2 heures au lieu que je quitte et j'aille prendre la notice. Tu peux me révéler le code parce que tu es une personne. Mais pour le dire, il faut savoir, avoir l'assurance que l'Esprit est en nous. Ils sont en monde et qu'à écouter nous. Mais permettez-moi de vous dire, je ne l'ai pas dit à la légère. Je savais à qui je parlais. Je suis rentré, j'ai dit, il y avait deux conducteurs de travaux qui étaient là. Je leur ai dit, à quoi essayer un dernier butin. Je suis rentré, je suis resté devant l'écran du premier groupe. J'ai prié en moi. J'ai dit, Saint-Esprit, ils étaient là debout à mes côtés. J'ai dit, Saint-Esprit, je sais tu viens en moi. Donne-moi, ce serait une preuve supplémentaire que tu vis vraiment en moi. Voici une preuve supplémentaire. Il y a beaucoup qui cherchent des émotions pour savoir si l'Esprit les habite. Mais l'Esprit confirme moi d'une manière évidente qu'il est toujours en moi. Et j'ai dit au nom de Jésus, permet que cet écran se déverrouille. J'ai posé ma main sur l'écran. L'écran affiché, écran déverrouillé, vous pouvez rentrer dans le menu, à quitter le défaut. Je suis allé dans le deuxième groupe. J'ai imposé ma main. L'écran a affiché la même chose. Ces deux gars sont restés. Ils m'ont dit, qu'on fait là? Qu'on fait là? J'ai dit, je n'ai rien fait. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que je savais l'Esprit pouvait me faire gagner. C'était un cas de force majeure. Et il a répondu, il m'a pris au mot, frères et sœurs.
Amen. Donc, pour que l'Esprit agisse, nous devons être un grand. Frères et sœurs, préparés à toute bonne œuvre pour notre Seigneur. Amen. Donc, je disais, le chrétien rempli d'esprit comparé à un grand. Parce que sans le grand, sans une main, il ne peut rien faire. Il ne peut accomplir quelque chose que dans la mesure où la main est en lui, le contrôle et agit. C'est une chose que la main dans le grand, mais c'est une autre chose qu'il agit et il contrôle le grand. Non, c'est une chose que nous sommes dans la sauce, mais c'est une autre chose que nous laissons l'Esprit Saint contrôler nos vies et agir avec nos vies et en nous. Amen. Maintenant, je passe maintenant pour conclure au deuxième mot, je vous disais, qui est le mot « pamplémie », un autre mot grec qui est employé aussi dans certains contextes pour remplir. Amen. Donc, dans certains termes, ce mot « pamplémie », la personne remplie du Saint-Esprit exerce un ministère de la parole. Presque souvent, lorsque ce mot pamplémie est employé dans le grec, il remplit une personne, c'est pour que la personne puisse exercer un ministère de la parole. Amen. Lorsque nous voyons Élisabeth dans Luc, noté 1, verset 41, la Bible dit, pamplémie. Dans Luc 1, verset 41, lorsque c'est Élisabeth, on s'est lancé présenté à elle, la Bible dit, elle fut remplie du Saint-Esprit. Conséquence, elle se mit à prophétiser. Ça, c'est le mot pamplémie. Quand ce mot est employé, c'est l'Esprit de Dieu qui prend contrôle. Il est souverain, il prend contrôle de la personne et il agit en souveraineté. Sans la permission de la personne. Ça, c'est un autre mot, pamplémie. Amen. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui décide à un moment bien ponctuel. Dans un moment bien ponctuel, c'est simplement, il a rempli Élisabeth afin qu'elle prophétise sous cette plénitude. Mais la plénitude n'est pas restée en elle. Contrairement à Éphésiens 5, 18, pour bien comprendre quelque chose. Paul nous demande, Éphésiens 5, 18, de nous remplir constamment. C'est une plénitude, nous sommes dedans. Et nous devons, c'est un commandement. Là, c'est Dieu qui décide à des moments bien ponctuels, pour des moments bien précis. Mais la plénitude ne reste pas incessamment dans la vie de la personne. Amen. Pareil, Zacharie, le chapitre 1 de Luc, le verset 77. Pareil, la Bible nous dit que Zacharie fut rempli, le père de Jean-Baptiste, et il se mit à prophétiser, exerce un ministère de la parole. Il n'a pas décidé d'être rempli. C'est Dieu, dans sa souveraineté, qui le remplit. Amen. Alléluia. Les 120, le jour de la Pentecôte, qui prophétisèrent et proclamèrent les merveilles de Dieu. Ils n'ont pas demandé à être remplis non plus. Ça a été la souveraineté de Dieu, le jour de la Pentecôte. Le même mot que l'abbé dit, fut tous remplis du Saint-Esprit, c'est le mot pamplémie. Et l'Esprit de Dieu a pris contrôle des cordes vocaux de leur bouche et ils ont parlé par le Saint-Esprit, selon qu'il les permettait de parler et de dire. Ça, c'est le mot pamplémie. C'était pour propager l'Évangile afin de sauver près de 3000 personnes. Alléluia.
dont Dieu a permis qu'il parle en d'autres langues, ça a été une conséquence de cette plénitude. Mais ce n'est pas un signe normatif du baptême dans l'Esprit Saint. Le parler en langue n'est pas un signe normatif du baptême dans l'Esprit Saint, comme le monde pentecôtiste a fait comprendre en prenant ce verset. Alléluia. Vous êtes tous baptisés dans l'Esprit Saint et vous ne parlez pas tous en langue. Vous n'êtes pas moins baptisés dans l'Esprit Saint. Ça a été une conséquence de cette plénitude qui les a fait parler en langue pour bien démontrer que le Saint-Esprit était bien prévu de venir ce jour. On a même dit qu'ils sont ivres. Ils parlaient le dialecte que les Juifs connaissaient depuis leur naissance. Amen. Donc, il fallait ce signe que Dieu a permis par le parler en langue. Amen. Donc, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, Paul, lorsqu'il a connu le Seigneur, il a été rempli pareil du Saint-Esprit. Amen. Et quelque temps après, Paul fut rempli de nouveau du Saint-Esprit. Il n'a pas parlé en langue. Ce n'est pas lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on parle en langue à chaque fois. Amen. Le témoignage que je viens vous donner, c'est parce que j'ai été rempli du Saint-Esprit à ce moment ponctuel que j'ai demandé au Saint-Esprit et qui a résulté que l'écran s'est allumé. C'est la même chose. C'est un moment donné, l'Esprit me remplit pour ça. Amen. Parce que j'avais aucun doute en moi. J'aurais pu faire ça à la légère et rien ne serait fait. J'ai été rempli ponctuellement à ce moment et les choses ont fait, l'Esprit de Dieu a pris le contrôle. A été un moment bien précis et bien ponctuel. Amen. Donc ce sont des plénitudes ponctuelles et spontanées que Dieu permet pour certaines choses bien définies selon la souveraineté de Dieu. Ça, c'est autre chose. Ils n'ont pas cherché à être remplis. Ils ne savaient même pas qu'ils seraient remplis du Saint-Esprit. Ils ne savaient même pas qu'ils auraient parlé en langue parce que Jésus les avait dit une seule chose. Vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. C'est tout ce que Jésus les avait dit. Mais ça ne sentait pas qu'il les reçoit avec les manifestations, le vent impétueux, ainsi de suite, les langues de feu. Donc, c'est le même mot, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas sous leur contrôle. C'est l'Esprit qui a pris leur contrôle. Mais ce que Paul nous demande, nous devons avoir notre contrôle. Et non l'Esprit prendra contrôle pour nous. Là, c'est l'Esprit qui prend contrôle chez Élisabeth, Zacharie, les 120 disciples également. Amen. C'était pour une œuvre, pour propager l'évangile et sauver 3000. Ainsi de suite. Pierre, interrogé par le sacrificateur, est rempli du Saint-Esprit et rend courageusement témoignage à Jésus dans Actes 4, versets 8 à 13. Et pourtant, Pierre venait d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que ça, c'est à l'aoriste. Ça, c'est autre chose. Un moment bien défini, ponctuel. Pourtant, Paul, Pierre, était rempli le jour de la Pentecôte. La Bible nous dit dans Acte 4, il fut rempli de nouveau du Saint-Esprit. C'était encore pour une œuvre bien précise, pour parler avec courage et avec audace, faire connaître le mystère de l'Évangile. Le Seigneur l'a rempli. Et spontanément, pour ce moment bien précis, parce que si ce n'était pas le cas, Pierre aurait peut-être tremblé. Amen. Il aurait peut-être tremblé devant le gouvernement. C'était pour lui donner de l'assurance, Pierre et Jean. Paul, l'abbé nous dit, il est rempli du Saint-Esprit dans Actes 9, 17. Dès sa conversion, mais devant Élimas, le magicien, qui s'oppose à sa parole. Dans Actes 13, 8, l'apôtre de nouveau rempli du Saint-Esprit de nouveau. Un moment ponctuel, ce n'est pas le mot pléo, mais pimplémie. Il est rempli de nouveau. Pourquoi? Pour prononcer contre ce serviteur du diable des paroles de condamnation. C'est pour ça. L'Esprit le remplit afin que ce qu'il va prononcer puisse
s'exécuter. Il a frappé, proclamé une sentence d'aveuglement à travers cet homme, ce magicien, l'agent du diable qui voulait saboter, l'empêcher de propager l'évangile. Alléluia. Et c'est pour cela, lors des évangélisations, l'Esprit de Dieu remplit parfois ses serviteurs pour pouvoir amener un coup de filet. Et il y a des miracles qui se font, il y a des choses qui se font. Parce que le serviteur est rempli du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Dans tous ces passages, nous venons de lire, pour décrire le deuxième mot grec, pimplémé, le verbe rempli est alaoïste, comme je vous disais. Ça, c'est autre chose. C'est un événement qui se fait une seule fois, une fois pour toutes, contrairement à ce que nous avons vu dans Éphésiens 5, 18. C'est un moment bien ponctuel. Alléluia. Ce qui est arrivé à moi, à chaque fois je vais oublier un code, je ne vais pas dire l'Esprit Saint, et ça se reproduit à chaque fois. Non, ça s'est fait bien ponctuellement, un moment bien précis. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous ne devons pas prendre des circonstances pour les répéter, tel que dans la guérison ou la délivrance. Si aujourd'hui j'ai prié pour quelqu'un qui a telle maladie, par exemple, j'ai imposé les mains, demain une personne a la même maladie, l'Esprit ne va pas me conduire nécessairement à imposer les mains. Il va me permettre peut-être de faire autre chose, à une onction d'huile ou à prier simplement. Il y a des choses, il ne faut pas nous répéter non plus ce que le Seigneur fait dans nos vies, surtout dans la délivrance. La délivrance est la souveraineté du Saint-Esprit. On ne peut s'attendre qu'au Saint-Esprit dans la délivrance. C'est lui qui révèle, c'est lui qui décrit, c'est lui qui montre. Alléluia. Donc, dans tous ces passages que nous avons vus, Élisabeth, Zacharie, Paul, Pierre, Jean, tous ces verbes remplir est à la aoriste. Ça veut dire le temps de l'action accomplie à un moment précis. Ça, c'est autre chose. C'est pas ce que Dieu nous demande dans la plénitude. Il nous demande d'être constamment rempli, une vie qui démontre une plénitude, une bonne conduite devant Dieu. Être rempli par moment ponctuel, ça, c'est la souveraineté du Saint-Esprit. Comme les dons. On peut demander des dons Saint-Esprit, je le demande pour mon ministère, et gloire soit rendue à Dieu, il m'a déjà accordé certains dons. Je le demande pour l'Église, pour chacun de vous, mais c'est l'Esprit de Dieu qui décide. La Bible dit, c'est lui qui distribue les dons comme il veut, à qui il veut. Mais aujourd'hui, dans les églises, il n'y a qu'à forcer, obliger l'Esprit de Dieu bat tout le monde le parle en langue. Qui sommes-nous? Ça se fait dans des églises. Il n'y a qu'à obliger l'Esprit de Dieu à faire tout le monde parler en langue. Mais qui est-ce qui dit l'Esprit de Dieu qui bat tout le monde parler en langue? C'est un don le parler en langue. Nous devons obliger l'Esprit de Dieu de donner tous les chrétiens le don de guérison, de miracle aussi. Il faut comprendre ces choses. Amen. L'Esprit de Dieu décide comme il veut. S'il veut, tu parles en langue, tu parleras en langue. Demande-lui, aspire et décide. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, parler en langue, on est sur un stade d'élite. On est vu au-dessus de parler en langue. Dans les églises aujourd'hui, c'est ça. Hein? Le parler en langue n'édifie pas l'église. Comme Paul le dit, hein? Le parler en langue aujourd'hui, quelqu'un s'enorgueillit. Hein? Alléluia. Il s'enorgueillit au contraire. Pas sans se mettre sur un plan d'élite. Non. Le parler en langue ne te fait pas plus spirituel que ton frère ou ta soeur. C'est un privilège, une grâce que Dieu nous a fait de parler en langue, mais ça ne nous met pas au-dessus
aucun de nos frères et sœurs, non. Pas beaucoup parlent en langue, leur vie est charnelle. Ça, c'est des choses, je dis, j'ai remarqué. Il y a beaucoup d'églises, ceux qui parlent en langue, ce sont les plus troublés dans ces églises. Les gens prétendant parler en langue, ce sont les plus troublés dans les églises. Et il n'y a pas dit, il y a un spirituel qui parle en langue, non. À savoir déjà si c'est le parler en langue du Saint-Esprit déjà. Parce qu'il y a plusieurs parlant en langue. Il y a plusieurs parlant en langue. J'ai vu des parlants en langue démoniaques dans les églises de Christ. Je l'ai vu et je l'ai entendu. Alléluia. Une dame l'autre jour, elle s'est avancée pour la guérison. Lorsqu'elle s'est avancée, elle est venue pour la guérison. Elle a commencé à gesticuler, elle est tombée et elle s'est mise à parler en langue. Le pasteur lui a dit, « Madame, où, à quel moment vous aviez reçu le don du parler en langue ?» Vous savez qu'est-ce qu'elle a répondu, devinez. Elle a dit, elle a reçu le parler en langue dans une conférence. On faisait les gens s'avancer pour recevoir le baptême de l'esprit marial. Marial, l'esprit à la Vierge Marie. Le baptême de l'esprit marial. Satan qui a imité et qui a fait photocopier sa bonne Dieu qui a fait. Il n'a pas fait mon avancée pour le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême de l'esprit marial qui a venu de la Vierge Marie. Et c'est là qu'il parle en langue. C'est un démon marial qui fait parler en langue. Et on a fait la délivrance sur ces femmes, mais le démon l'a quitté quoi, au nom de Jésus. Et il ne parle jamais en langue encore. Et il y a plusieurs parlent en langue. Je leur dis, il y a des églises, au PM et moi, mais ça n'a pas failli, quand il dit la vérité, quand il révèle ça qu'il a fait dans les ténèbres. Alléluia. Il y a des églises, qui ont fait tout le monde parler en langue. Qui ont parlé en langue du Saint-Esprit, qui ont parlé en langue du diable, parler en langue. Parler en langue, tout le monde qui a parlé en langue. Alors imaginez une femme comme ça, il est dans une telle église, et qui a commencé à maudire l'église là, parce que Satan qui a infiltré. On lui donne le droit de parler en langue. Vous ne savez pas ce que la personne dit, qu'a maudit l'église là. Et qu'a mettre des forteresses démoniaques en l'église là. Voici ce que le diable fait à travers le parler en langue aujourd'hui dans beaucoup d'églises évangéliques. Il profite de ça de mettre des forteresses, des démons dans les églises. Alléluia. Amen. Je sais pourquoi je ne sais pas pourquoi l'Esprit me dit de parler de la sorte, mais il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Amen. Qu'on parle en langue ou pas, ce n'est pas un problème. C'est Dieu qui décide. L'Esprit qui décide. Il est souverain. Ceux qui ont cherché à parler en langue, ils ont été forcés l'Esprit. Ils ont ouvert malheureusement des portes. Ils ont parlé en langue. Mais ce n'était pas la langue, la glossolalie du Saint-Esprit. Parce qu'il y a quatre sources de parler en langue. Il y a plusieurs sources de parler en langue. Pas l'Église du Christ, pas l'Esprit Saint seulement qui parle en langue. Les démons parlent en langue. Les sorciers parlent en langue. Les gens qui sont dans les centres psychiatriques, ils n'ont pas ni l'Esprit de Dieu, ils ne croient pas en langue. C'est reconnu, hein? Les psychiatres reconnaissent dans leur centre psychiatrique, les patients parlent en langue. Vous pensez que c'est l'Esprit de Dieu qui parle en langue? Parce que les patients, non. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Les bouddhistes parlent en langue lorsqu'ils font leur rituel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas Corinthe seulement, ça existait. Les démons de glossolalie à Corinthe, ils ne sont pas morts, hein? Ils n'ont pas enchaîné à Don Abim. Ils ont aussi bien en Guadeloupe que dans tout le monde, parce que les démons qui ont voyagé. Les démons qui étaient à Corinthe, dans les temps païens, qui parlaient en langue, ils sont disséminés un peu dans le monde. Ils ont en Guadeloupe aussi, parce qu'ils ont voyagé dans le monde. Satan dit, bon Dieu, qu'a parcouru la terre. Alléluia. Donc comprenons bien ces choses aujourd'hui. Et n'ont pas donné encore avantage au diable. Amen. Donc voici, frères et sœurs, ce que je voulais que nous entendions et comprenons la différence entre ces deux mots grecs, pléo. Ce que Paul nous demande, Dieu nous demande de, dans une comment dirais-je, un état de vivre dans son royaume. Et ce que Dieu décide de faire par des moments bien ponctuels et souverainement dans nos vies.
Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des moments ponctuels. Dieu peut remplir un serviteur. Un moment bien ponctuel pour prier pour un mort. Ça, cette personne prie. Il est saisi par la puissance du Saint-Esprit. Il est rempli pour ramener ce mort à la vie. Sans doute, sans rien du tout. Amen. Donc, voici, frères et sœurs. Donc, je le répète encore, que le parler en langue est un don de Dieu qui est distribué dans la souveraineté du Saint-Esprit comme il veut, à qui il veut, existe dans les églises aujourd'hui. Mais il y a aussi l'autre don contrefait. N'oubliez jamais ça. Le diable contrefait les dons de Dieu. Et n'oubliez jamais ça. C'est pour cela qu'il faut être sage et prudent. Et encore une fois, Dieu a fait grâce par l'apôtre Paul pour protéger son église contre ça, des dérives, les contrefaits, d'interdire de parler en langue pendant le culte s'il n'y a pas d'interprète. S'il n'y a pas d'interprète. C'est pour protéger l'église, parce que Paul savait, à Corinthe, les démons parlaient dans les temps païennes. Alléluia. J'étais pasteur d'une dame et de sa fille à Monalo un dimanche. Ce sont deux dames qui étaient dans les assemblées de Dieu avant de connaître, venir chez nous. Parce qu'un dimanche, cette femme, cette sœur et sa fille se sont levées en même temps. Ils ont pour parler en langue. Et comme la fille, sa mère a dû parler peut-être quelques secondes avant elle, elle s'est assise. Parce que maman il parlait en langue avant, il était 3 mois fâché et maman, et il n'est pas venu à l'église. Quel bordel dans l'église du Christ. Qu'est-ce qu'on gagne dans ça? L'orgueil. Quelque chose qui s'est fait, hein? J'étais leur pasteur. Parce que tous les dimanches, où ils étaient, ils étaient dit, ils parlaient en langue. Alors comme ils étaient habitués, Dieu a permis qu'ils se lèvent les deux en même temps pour les confondre. La mère a parlé avant qu'elle. Il s'y est, il était 3 mois. M'a dit, pourquoi tu ne viens plus à l'église, ma soeur? Ah, ma mère a parlé en langue avant moi. Alors quand parle en langue, la Bible a dit, celui qui parle en langue, c'est difficile, ça qu'est difficile. Je ne crois pas que c'est la langue du Saint-Esprit. Alors je sais de quoi je parle. Alléluia. J'attaque pas le don de Dieu, j'attaque les dons contrefaits, le diable que j'attaque, et non les dons de Dieu. Amen. Ta mère a parlé en langue avant toi, tu restes 3 mois fâché contre ta mère, contre l'église, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais on nous croit aujourd'hui-là, dans l'église du Christ. Parce qu'elle voulait se faire voir, parce que c'est ça qui se passe là, avant dans son église qu'elle était. Il était capable d'en langue tous les dimanches. Il aurait dit, bon, madame, là, ça, pourquoi ça, veillez-vous, pas dire n'importe quoi, on ne parle pas en langue. Non, ce n'est pas le parler en langue qui nous protège. C'est notre position avec Christ qui nous protège. Allez, le parler en langue, ça n'a pas fait diable la paix. Alléluia, parce qu'elle lui-même qui a parlé en langue aussi. Ça ne fait pas le diable peur. C'est notre position en Christ qui fait le diable peur et trembler. Alléluia. Ceux qui parlent en langue maintenant, continuez à vous édifier. Chez vous, la Bible dit, celui qui prie en langue, et il y a ceux qui ont le don du Saint-Esprit, du don pour parler en langue, ils prient en langue chez eux. Ils s'édifient. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et si certains vous avez le don, continuez à glorifier le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le diable s'est détruit, quand il a détruit l'église, il tant qu'il a trouvé des moyens qu'il fait. Alors, encore une fois, ne lui donnons pas avantage, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Je vous avais dit de m'excuser, le message sera un petit peu plus long. Nous allons nous mettre debout. Merci Seigneur. Je t'élève Seigneur, je bénis ton Saint-Nom.
pour le conseil, Seigneur, tu nous as donné à travers la plénitude de ton esprit. Cette source que tu as mis en nous, Seigneur. Et nous t'avons célébré, mon Dieu. Tu nous invites, Seigneur, à marcher, Seigneur, dans la droiture, à nous imprégner chaque jour dans cette source, afin d'être rempli, Seigneur. Je te demande, Seigneur, merci, je te remercie, Seigneur, pour chacun de nous ici, présents, Seigneur, ceux et celles qui sont habités par ton Esprit Saint. Tu nous as donné ce rappel, l'immensité de ce que tu veux faire en nous, Seigneur. Merci, mon Dieu, de vraiment, Seigneur, nous abreuver totalement. Je te demande, Seigneur, ce matin, ne permets pas, Seigneur, que nos vies restent à mille coudées, Seigneur, à la hauteur de nos chevilles, Seigneur, ni à 2000 coudées, la hauteur de nos genoux, Seigneur, ni à 3000 coudées, Seigneur, à la hauteur de nos reins, mais, Seigneur, que nous puissions point toucher, Seigneur, le fond, Seigneur, mais être rempli à nager, Seigneur, comme tu as montré ton serviteur Ézéchiel, à nager, Seigneur, à déborder, Seigneur, afin que le monde voit, Seigneur, cette source jaillir en nous. C'est ce que nous te demandons ce matin. Seigneur, que cette plénitude coule en nous, mon Dieu. Chaque jour, Seigneur, de notre esprit, puisse inonder l'âme, notre âme, et vraiment, Seigneur, imprégner totalement nos corps et faire vraiment des instruments, des membres pour ta justice, Seigneur, dans ton royaume. Seigneur, merci, mon Dieu. Je te demande, Seigneur, la grâce, Seigneur, de nous amener à parfaire, Seigneur, cette plénitude, de façon que tu puisses nous surpasser, Seigneur. Je prie ce matin, par la puissance de l'Esprit qui habite en nous, de celui qui nous habite, Seigneur, que tu puisses faire au-delà de ce que nous pensons, demandons. Je prie, Seigneur, que nous soyons remplis ce matin, mes frères et mes sœurs, jusqu'à au-delà de toute la plénitude de ton Esprit, Seigneur, afin que tes dons souverains puissent tomber sur nous, Seigneur. Père éternel, ce matin, je te demande, Seigneur, vraiment, mon Dieu, que tu accordes, Seigneur, des dons, Seigneur, les dons de ton Esprit Saint à cette œuvre, à chacun de ton peuple, Seigneur. Je te demande que chacun de nous, nous aspirons, Seigneur, à ces dons, Seigneur, et entre autres, mon Dieu, le don de parler en langue et de l'interprétation, Seigneur, car tu n'as pas changé. Tes dons n'est pas mis dans un buffet, Seigneur. Tes dons sont là, Seigneur, pour édifier ton peuple et faire connaître, Seigneur, par les signes et des prodiges, Seigneur, les manifestations, Seigneur, de ton esprit, que tu agis encore, Seigneur. C'est aujourd'hui, Seigneur, mon désir, Seigneur, je te le demande, Seigneur, à l'égard, Seigneur, au bénéfice de mes frères et de mes frères, et pour vraiment l'avancement de cette œuvre, mon Dieu, afin que ton esprit continue à opérer et à agir, Seigneur, puissamment, Seigneur, dans cette œuvre. Sois glorifié, Seigneur. Père éternel, merci, mon Dieu. Nous te remercions, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que vraiment, Seigneur, chaque jour, Seigneur, que chacun de nous, nous apprenons à nous imprégner, à être remplis, Seigneur, pas à pas, Seigneur, par cette source, Seigneur, ton Esprit Saint qui nous habite. Merci, Seigneur. Si tu nous as conduits ce matin pour entendre ça, pour prendre, Seigneur, comme vrai ce principe, et surtout, Seigneur, que tu puisses agir au bénéfice de chacun de nous. Alors, Seigneur, que ton nom soit glorifié, Père. Nous t'élevons, te glorifions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons...